Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62. Haïti politique, le chef de l'État, Michel Martelly, s'est entretenu en début de journée de ce mercredi avec une délégation de 6 sénateurs conduite par le président du Grand Corps, le sénateur des Racines Dieu seul. Les discussions se sont déroulées autour de certains points irritants de l'accord tripartite signé le 29 décembre 2014 par les responsables des trois principaux pouvoirs de l'État. Agissant au nom de leur père, ces sénateurs ont soumis un ensemble de recommandations au président Michel Martelly sur lesquels il devra statuer avant la fin de cette semaine. Toutefois, une entente a été trouvée autour de la démission du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, et de la formation d'un conseil électoral provisoire. Écoutons tour à tour les explications du président du Sénat, des Racines Dieu seul, et du sénateur Jocelyn Privière au micro de Jean-Alain Macajou. Le Sénat avait certaines réserves quant à certaines clauses de cet accord, particulièrement question délai butoir qui va être voté amendement à loi électorale là. Et à Ratat ministre, je t'ai exprimé que c'est matériellement impossible dans le délai imparti pour que nous répondre à tout point ça y est, qui est un agenda, d'autant plus que constituant lui-même. Dans le préambule, il dit que les grandes décisions qui engagent la vie nationale doivent être objet de consultation et de concertation. Or, la loi électorale, la Radio communiste fait partie de ces grandes décisions qui engagent la vie nationale. Ce n'est pas une bonne chose que peut contraindre le Parlement dans l'espace de temps pour d'abord. Nous avons discuté ça avec le président. Nous soumettons le texte que nous avons fait ça et nous discutons. Et que nous avons que nous réagi et nous étions disponibles pour toute nouvelle convocation. Mais par rapport avec prudence ou affiché à sénateur Biber, est-ce que nous sommes capables de comprendre qu'il y a des irréductibles? Est-ce que nous avons prudence? Est-ce que nous avons réserve? Nous dit nous avons des préoccupations, nous avons des réserves quant à certaines clauses de cet accord et que nous allons faire valoir nous, et que nous soumettons le président avec ses conseillers, nous attendons que nous réagissions pour que pas nous renégocions encore là, mais pour nous reformuler certaines clauses de cet accord et sur la base de cette reformulation, nous capables d'une adhésion à un objectif de sénateur pour nous faire de la vie. Lancement ce mercredi à l'hôtel Le Plaza d'un forum de deux jours en vue de la création d'un front de refondation de l'État de la Nation, initiative du regroupement patriotique pour le renouveau national réparé réalisé avec le support de l'IDEA. Ce forum se veut être un espace de débat entre tous les partis politiques impliqués dans ce projet de refondation. Au terme de ce forum, les initiateurs souhaitent mettre sur une même table tous les acteurs impliqués dans la politique haïtienne de façon à permettre au pays de recouvrer sa souveraineté nationale. Écoute au tour à tour Judy Sewa et Baïna Bello de la Fondation Claireuse. Le forum, ça a livré trois objectifs. C'est mettre sous place un fonds pour la refondation de l'État-nation, mais le fonds, ça a tout livré trois objectifs. C'est recouvrer la souveraineté nationale, c'est changer le système, et puis refonder l'État-nation. Alors, refonder l'État-nation, pour me clair, pour
population, c'est résultant de deux premiers là. Premier, il faut nous indépendants. Jean-Jacques Dessalines, le cap créé nation, il te dit fais attention. Nous une liberté, nous une indépendance politique. Mais nous étions un paquet de notre indépendance pour nous faire. Il faut nous faire indépendance économique, il faut nous faire indépendance culturelle, il faut nous faire indépendance sociale. Ça veut dire qu'il faut que nous construisions le pouvoir population. Donc, dans ce sens, le pouvoir politique là, il est créé, mais le pouvoir social, le pouvoir culturel n'est pas créé. Donc, il faut que nous travaillions pour nous faire indépendance. Là, nous faisons travail ça, il faut nous réconcilier la nation avec l'État. Depuis 1806, l'État avec 1806, l'État avec la nation dos à dos. L'État assassinait rêve peuple là, et puis il refoulait la majorité de la population. En dehors, un baptiste paysan, un baptiste citadin, et puis sont en train de bavler, nous créons, nous avons 10 années, toute la journée, nous avons boumé, nous pas jamais mettre ensemble pour nous construire l'espace que nous vivons là-dedans. Nous, toutes nous en transit. Donc, nous disons qu'il faut que nous changions le système là, pour nous capables de permettre l'État de réconcilier avec la nation, nous réconcilier avec l'autre. On est dans un État. Nous pas un côté, ni non balle, ni non la cour. On est dans un État qui a une constitution, qui a des lois. Constitution by des échéances. Ou bon devoir pour respecter. Affaire Pindim Jodi, vous voulez faire consensus. Hier, on a fait consensus. Moi, j'ai entendu deux ou trois mois avant que ça arrive côté de là, que ça pourri côté de là. Je dis, bon, on va faire consultation et pour partir. Je dis, pourquoi penser tant à couvrir? Je dis, j'ai tout mon temps. Et puis je dis, on a demandé mon papa pour me dire que le fait consensus. C'est qui ça fait consensus là? Lui est obligé de lâcher, il affaibli. Et ça, c'est l'œuvre de la population. C'est l'œuvre des politiques. C'est pour un cadeau. Monsieur Patap, je me fais un cadeau. Ça, c'est râler, râler. Attitude qui est là, je dis, elle n'a pas de personne qui l'a dit. Il a fait comme si c'était un bébé qui ne savait pas ce qu'il faisait. Et que quand il est là, il a dit, il fait sacrifice. Côté sacrifice, il sacrifice, nous avons dit, là, pour faire élection. Monsieur a enregistré un parti politique en 3 jours, alors que la loi exigeait au moins 6 mois. Il a déposé un papier le 14 août, le 17 août, sur tout le territoire, avec l'argent de l'État. Monsieur a fait une campagne équipée avec l'argent de l'État. Monsieur a fait un paquet de bonnes bagailles avec l'argent de l'État pour capable de chiter parti politique qui voulait voler l'élection. Parti politique qui intéressé comprendre et mettre sous ligne la vision de sa lumière. Donc c'est dans le cadre de ça que j'ai invité pour me partager avec vous connaissance que j'ai sous philosophie et biographie Jean-Jacques Dessalines. Donc si je comprends l'objectif, c'est permettre que haïtiens qui passent l'école et l'école là massacré Dessalines dans tête chaque haïtien, donc qui pour permettre yo refaire connaissance avec fondateur pays pour qu'à comprendre ce qui bit pays a démonté et puis pour yo même yo faire choix ce qui bit yo veut fonctionner. Et c'est pour ça qu'en commun nous finissons avec une citation de Dessalines dans le discours qu'il a fait le 28 avril 1804, quand elle dit qui gens pour le monde qui a vu chef après lui, qui gens pour le comporter. Elle dit c'est la suivre trace qui a baillé puissance et puis que c'est seul hommage que vous avez à mémoire. Donc, Dessalines est clair que oui, mission l'a pratiquement fini depuis le 28 avril 1804, il connaît le bras et la quitter pour nous informations sur qui sont pour nous suivre, pour nous faire, pour continuer le travail construit dans le champ que nous livrons. C'est dans ce sens que nous ne pas connaître, nous ne pas juger. Mais en tant que monde, tout le monde a une capacité, s'il prend sang pour apprendre, pour l'étudier, pour le pratiquer, pour l'exercer. Parce que vivre en Dessalines, il faut aller dans une pile discipline. Ce n'est pas un bagage, ce n'est pas vous et monter. Il y a une exigence lors du WAP suivre trace des Salines. Par exemple, nous-mêmes qui avons une fondation Marie-Claire Rose, Félicité Bonheur des Salines,
Haïti qui nous met après Madame Dessalines. Nous avons rencontré sur l'histoire chaque dernier samedi du mois à 13h, 1h de l'après-midi. Mais c'est 1h avant de commencer. Que gen yon moun, que pas qu'on gen moun, inert, nous commencer. Parce que nous pas gen droit en tant que moun kap sur Dessalines, discipline non obligatoire. C'est le premier élément. Donc depuis yon pratiqué, yon mette yon en état, yon cherche qu'on est d'abord, et puis yon mette en pratique. C'est certainement yon qui a réussi. Présentation ce mercredi du bilan des voyages effectués au Mexique et au Brésil par le service maritime et de navigation au début du mois de décembre 2014 dans le cadre d'une série de formations réalisées sur l'hydrographie. Visiblement satisfait des retombées de ces voyages, le directeur de la Semana, Eric Prévost Jr., a annoncé que le Semana signera un protocole d'accord de coopération avec ces deux pays en vue de permettre à l'institution d'acquérir des équipements adaptés à leurs fonctions de façon à renforcer les capacités de la Semana et à répondre plus rapidement aux besoins des pêcheurs en difficulté. Les explications du directeur du service maritime et de navigation, Eric Prévost Jr., au micro de Nancy Lenné. Nous organisons une conférence de presse, c'est surtout et pour nous faire un petit bilan de voyage que nous avons organisé du 8 au 19 décembre. Et dans un premier temps, à Mexique et dans un second temps, au Brésil. Et il faut que nous disions que, à Mexique, Manzanillo, Mexique, c'était une réunion annuelle de l'hydrographie, de l'Organisation hydrographique internationale, et qui était réalisée du 8 au 13 décembre. Et c'était une série de formations et de discussions sur l'hydrographie en général. La petite pour que nous t'es arrivé joindre des acquis dans la rencontre Mexique-là, qui c'était des programmes de travail annuel avec la NOAA, qui c'est National Oceanographique Atmosphérique, Oceanic Atmospheric Administration, NOAA, qui c'est une institution américaine qui vient pour travailler avec nous dans le domaine formation et assistance technique et équipement. Et nous avons entendu des protocoles d'accord aussi avec le service hydrographique et océanographique de la marine française, CHOME, qui eux-mêmes ont entendu un accord avec nous pour nous couper dans le domaine formation et des supports, d'autres supports que nous avons besoin. Et nous dit tout que l'OTAN qui vient gagner, OHI qui c'est l'Organisation hydrographique internationale, a bien pour faire une visite en Haïti pendant l'année 2015. La visite ça la permet de rencontrer avec l'autorité et dans l'État, spécialement l'autorité dans le pouvoir exécutif là, et dans le pouvoir législatif là, pour capable sensibiliser sur la nécessité pour capable gagner ratification de la Convention de Monaco par le Parlement. Et ratification convention ça a permis que Haïti vienne membre à part entière de l'OHI et la permettre de bénéficier au paquet d'avantages et que l'institution internationale ça prêt pour porter à nous. Du 15 au 19 décembre, nous sommes allés au Brésil et nous avons eu l'opportunité pour nous de visiter différentes installations hydrographiques et navigation brésilienne. Et nous avons eu le vice-amiral de la marine brésilienne, Antonio Reginaldo Pontes Lima Union, qui était recevoir nous en personne et qui était un bon accueil. Quand on a remercié l'ambassadeur Brésil là, qui était dans le conseil ça pour nous aller dans la visite ça et qui était participé tout avec nous. Et nous remercier la République du Brésil, la marine brésilienne, qui était un bon accueil.